Et bonjour à tous, c'est Jack et aujourd'hui on est sur Agane The Final Config, qui est un jeu vidéo d'action de type beat'em all développé par CA Production et édité par Hudson Soft en novembre 1964 au Japon, suivi de l'Amérique du Nord et de l'Europe en 95 sur Super Nintendo. Donc Agane est connu pour son excellente réalisation et sa grande difficulté. Voilà, donc l'action se déroule dans un monde imaginaire futuriste féodal, donc style cyberpunk. Deux clans qui maîtrisent les arts secrets du ninja et de la magie noire, le clan Fuma et le clan Koma, s'affrontent. Allez, c'est parti! On va découvrir ça ensemble! Bon, j'y ai joué une fois il y a très longtemps, mais je me souviens plus du tout, donc je connais la Agane, hein, donc j'ai déjà vu 2-3 let's play de ce jeu, mais j'y avais joué qu'une seule fois. Donc, on va vraiment le découvrir ensemble maintenant. Ah, ma foi, c'est vachement réactif, hein. Le héros a la classe, les environnements sont pas trop mal. Pour un jeu de 94, j'ai déjà vu plus beau quand même, hein. Mais bon, on est qu'au début, donc je ne juge pas. Bon, le soft a une excellente réputation, donc on va voir ça si il me plaît. En tout cas, au niveau d'animation, c'est plutôt propre, hein. Ça bouge très bien. La difficulté, est ce qui paraît que c'est ultra hard, donc et ça m'en a tout l'air. Je vais essayer de ne pas foirer. Donc vous voyez, hein, on a plein d'armes différentes. Merde, voilà, je me suis déjà fait niquer une fois. Donc vous voyez, on a plein d'armes différentes qu'on peut avoir au cours du niveau. Donc on recommence au début. Ah ouais, ok, on a une sorte de double saut comme ça en boule. Et on reste appuyé, on reste en boule. Oh, c'est génial ça. Ok. Ok, je vois que je vais souffrir ce sort. Merde. Donc vous voyez, on a une barre de vie qui est au-dessus, qui nous indique qu'on peut se faire toucher 3 fois. Donc au-dessus des 3 fois, on est mort. Ok, donc là maintenant j'ai des nouvelles armes, ce sont des sortes de... Pas très pratique pour... Ah ok, j'ai même un super pouvoir en appuyant sur A. Ok. Donc maintenant je me retrouve avec une chaîne un peu bizarre. Chaîne nébulaire. Ok, ouais, c'est pas très pratique comme arme. J'avoue. Ah ça c'est déjà mieux. Une sorte de shuriken de glace, c'est pas mieux. Putain, c'est hard, hein. Ça vient dans tous les sens. Ah ! Bon, j'avance comme un ouf là parce que ça m'attaque dans tous les sens. Ouais, non, franchement, ça bouge super bien, hein. Y a rien à dire, hein. Mais je vois que le stop a l'air vraiment très très hard. Hein. Non, franchement, c'est classe. C'est plutôt classe. Il y a énormément de challenge, donc ça, c'est déjà bien. Pour les gens qui aiment le challenge, c'est ultra cool. C'est vraiment le style de jeu à l'ancienne. Rétro arcade, comme j'aime bien. Mais il va falloir que je m'entraîne pour vraiment maîtriser le jeu. Parce que ça attaque dans tous les sens. Putain! Vous voyez, la difficulté est vraiment, vraiment hard. Donc je suis qu'au premier niveau et je n'arrive même pas à passer... Zut, hein, c'est quoi le bordel? J'ai déjà fait toucher une fois, génial. Ah, j'ai une chaîne de merde là. Allez! Oh là 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 là, John, s'il te plaît, quoi. On dirait qu'on allait bien finir. C'est quoi le bordel? Ok, donc le super pouvoir c'est plutôt pas mal. Quand on est vraiment acculé, et ben ma foi je préfère le sabre. Hop. Ouais. Tout en appuyant sur select. Ah oui, voilà, ok. On peut changer d'arme en appuyant sur select. Ok. Ok, ça c'est génial. Ouais, moi je préfère le sabre. Ouais, le sabre pour moi c'est la meilleure des options. Même si c'est à courte portée,
je préfère le sabre, de loin. Voilà, je commence à capter le truc. Oh là là, ça pète dans tous les sens. Et c'est hard. Zut. Bon là, ça va être chaud. Ok, donc il faut péter le truc avant qu'il nous touche. Hein. Merde! Oh là 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 là! Oh, oh, oh putain, c'est chaud! Ok, j'ai réussi. Wouh! Eh, franchement, c'est vraiment, vraiment, vraiment hard. Oh putain, il y a du challenge à mort. Franchement, ouais, c'est pas mal. Vraiment, c'est cool. Le bestiaire n'est pas en reste, franchement, c'est assez varié. On va voir au niveau des levels si vraiment. Vraiment ça vaut le coup, mais niveau du challenge c'est hard, c'est vraiment poussé. Hein. Il tient vraiment sa réputation de jeu de jeu. Oh putain! Ouais, c'est hard. Game over, voilà, allez, premier game over, boum! On va recommencer, hein. On est là pour souffrir, hein. Un petit continu, allez, continue infini. Ouais, je suis au premier stage, donc les continues ne servent à rien. Je dois recommencer tout. Ouais, c'est parti mon kiki. Maintenant que je connais un peu le soft. Ça devrait aller mieux. Donc détruire directement ces trucs qui tirent là. Voilà. Comme ça on est tranquille. Voilà, hop, hop. Voilà. Oh bordel que c'est hard comme jeu. Zut, tu me suis fait toucher. Ah, le double saut, c'est pas mal ça. Pas le saut en boule, je veux dire. Je le chope celui-là. Voilà. On va merder trop longtemps celui-là. Merde, je me suis fait toucher. Allez, il me reste une fois, je suis déjà mort. Putain. J'arrive à passer ce niveau. Sans faire toucher une seule fois. Ok, donc le super pouvoir aura servi à quelque chose. Wouh! Génial. Ah merde. Donc ouais, moi je vais garder ça. C'est pour moi la meilleure des armes. Oh, j'ai réussi! Oh, sans mourir une seule fois! Oh oh! Là ça va, donc c'est que je commence déjà ma vidéo soft, mais c'est vachement dur. Hein. En fait, il faut connaître les niveaux par cœur avec la les patterns des monstres, hein. Ça c'est clair et net. Hein. Putain. Alors, en fait, il faut pas avancer bêtement, il faut vraiment, vraiment tous les niquer pour être tranquille. Hein. Et vraiment voir comment ils bougent. Hein. Merde, je me suis déjà fait toucher. Faut essayer de se faire toucher le moins de fois possible pour essayer d'arriver à la fin du niveau avec le plus de vie possible. Hein, franchement, c'est cool, c'est vraiment bon, c'est un très très bon jeu. Je suis étonné. Je suis étonné que je kiffe autant. Merde! Et crève pas, cet enculé!
Merde! Ah là là, John, s'il te plaît, quoi. Non, franchement, c'est pas mal. Ah, voilà, en appuyant sur... Ouais, trop fort. Donc, en appuyant sur L1, enfin sur L, hop. Vous voyez ce que je fais? Hop, petite figure, là, tac. Ah, c'est pas mal. Je vais arrêter de faire une esquive, en fait. Ah, franchement, le gameplay est vraiment pas mal, hein. Mais c'est du gameplay, c'est du jeu de sauvage, hein, c'est clair et net. Hein. Ça, c'est des jeux pour hardcore gamers. Hein. Vraiment pour les mecs qui maîtrisent à fond. Hein. Ça, c'est clair et net. C'est pas pour les petits, ce jeu. Hein, et ça ne plaira pas à tout. Disons qu'en fait, ça va décourager plus d'une personne. Ça, c'est clair et net. La difficulté est vraiment très très hard. Mais perso, c'est pas pour me déplaire. Hein. J'aime bien ce type de jeu. Au moins, ça prouve que je sais jouer au jeu. En le finissant, bien sûr. Là, celui-là, il m'a emmerdé. Ah, voilà. Quand même. Ça, c'est dangereux. Ouais. Voilà. Ah, c'est génial ça. Nom de Dieu. Ah, John, s'il te plaît, quoi. Bon, je vais y arriver. Voilà, il faut se taper en fait. Ok, donc une salle va arriver. Ah, c'est un boss. Tiens, ramasse. Ok, donc ça va, il a pas l'air trop difficile. Ok, voilà, tac. On a réussi à se le faire, tranquille. Ça va, je commence à maîtriser tout doucement le jeu. Franchement, c'est pas mal. Une très très bonne découverte. Une rétro découverte. Merde, John, qu'est-ce que tu fais là? Là, j'avance comme un abruti. Ok, donc il y a des gros vers de sable, en fait. Non, je suis... Il va falloir que je me concentre ici, hein, parce que je ne connais pas le niveau. Ok, il va falloir que j'avance tout doucement. Allez, concentration. Ça, j'ai capté. Ok. Eh, c'est vraiment bien fait quand même. Hein. Franchement, pour un jeu 16 bits, je retire ce que j'ai dit. Franchement, c'est vraiment, vraiment un bon jeu. Pour un jeu 94, franchement, il est bien fait. En fait, c'est la patte graphique en fait qui était un peu terne au début, qui m'avait un peu pas rebuté, mais disons que je trouvais moyenne. Mais en fait, franchement, en fait, ça sert le propos. Franchement, non, c'est du lourd ce jeu. Franchement, y a rien à dire. Et Agane mérite son titre de jeu culte, ça c'est clair. Maintenant, je l'avoue. Ah, il peut, ah, on peut s'accrocher vraiment. Oh, c'est génial ça. Donc voilà, ouais, je découvre plein de petits trucs là de gameplay là, qui sont vraiment vraiment sympas. Mais je vais sauter cette plateforme. Merde! Désolé pour les gros mots, mais c'est le type de jeu où je jure beaucoup. Hein. Voilà, ok. Merde, plus de zut, hein. Regardez-moi ça comme il bouge la classe. Franchement, il est vraiment la classe. Bon, cette partie de plateforme est vraiment vraiment hard de chez A. Parce que le saut est un peu bizarre. Ouh, j'ai réussi. Ah, l'enculé m'attendait.
Ah zut, il me reste que une vie déjà. Ah bon. Allez, encore une petite dernière. Je sais que je suis capable de faire ce niveau. Je le sais. Ah! Mon Dieu, je suis pas concentré du tout. Voilà. Ok, les vies à fond, ça c'est parfait. Merde, je parle trop vite. Putain, cet oiseau il commence à me faire chier. Il m'attend, on peut s'enculer. Voilà. Par contre, il va falloir que je change d'arme ici. Voilà. En fait, c'était tout simple, il faut que j'utilise en fait des autres armes. Même si je préfère le katana, il va falloir que je m'entraîne à utiliser les autres armes. Ok. Ah, elles sont pas infinies, vous voyez, 98, 97, 96. Ok, il y a que le... Ah non, John! Ah, ouf, j'ai cru que j'allais tomber. Voilà. Ah, ça va, je commence à bien capter le truc. Franchement, c'est d'humour ce jeu. Allez, une vie en plus. Et bingo! Stage 1-4. Eh, franchement, je me débrouille pas mal. Oula, là, ça a l'air d'être rare. Ok. Ah ouais, donc on a toutes sortes de phases de gameplay. C'est vraiment, vraiment, vraiment dur. Ok, donc il faut que je fasse gaffe à ne pas tomber dans les trous. Ah, zut, John. Voilà, je le disais. Ok, ok, pour l'instant ça va, je m'en sors. Ok, ok. Oh, c'est hard. Hein. Oh, oh putain. Non! Allez, une petite dernière, allez. Putain de merde. Et voilà le deuxième game over. Donc franchement, que penser de Hagane? Ben franchement, c'est du lourd. Hein. C'est vraiment, 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 vraiment un jeu culte. Et franchement, je retire ce que j'ai dit. C'est vraiment un très, très bon jeu. Mais c'est hard. Hein. C'est hardcore de chez hardcore. Hein. Donc si vous aimez le challenge, foncez sur Hagane. Allez, si vous avez aimé, likez, partagez, commentez, faites comme vous voulez, il n'y a aucun souci. Et si vous avez kiffé ce let's play, que vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, ça me ferait méga plaisir. À la prochaine pour de nouveaux let's play. Salut, salut!